Et salut tout le monde, salut YouTube, nous sommes repartis pour du Miles Morales, bien évidemment. Ouais, t'es où? Ah oui, c'est notre pote. Entré dans l'appartement? Ouais, donc. Ta mère m'a laissé entrer. J'ai défait slash vidé mon sac à l'arrache chez toi. Je suis sorti prendre l'air dans le bar, là. Nickel! Passe un peu à l'amphithéâtre! J'ai un truc à te montrer. C'est un truc genre speeder truc? Oh, oh stylé. J'ai chopé un bout de la corne de Rhino. J'ai vu des photos du combat. Bon, L3, tu te laisses tomber et tu prends masse vitesse. Un truc de super-héros. Et c'est bien mieux que la corne. Ah, vous pouvez trouver des figures aériennes supplémentaires en consultant les techniques. Bien, parce que quoi que tu fasses, de toute façon, il se rattrape de partout, donc tout est stylé en fait. J'en reviens toujours pas que tu puisses faire ça. Hé, hey, attends, regarde. Un cadeau de Noël de Spider-Man. Ouvre-le. Waouh. Et c'est le. Je te couvre. Oh, quoi? Vous avez jamais vu quelqu'un se changer à Central Park? Alors? C'est comment? Miles Morales, félicitations et bienvenue dans ta première super tenue. Alors, super tenue, vous pouvez équiper votre tenue depuis le menu tenue sur la page des tenues. Ça se tient. Revenez ici lorsque vous aurez débloqué d'autres tenues et vous souhaitez changer. Va dans le centre-ville pour l'épisode 2 de cet incroyable cadeau. Il est fumé. Mode de lentille. Pareil, on a un truc que pour le New Game Plus. Ils ont osé. Ok. Du coup, je sais pas trop ce que c'est encore ces trucs. J'ai rien débloqué de toute façon, à part ça. Achat impossible. Ok, jeton d'activité. Il faut effectuer des activités. Et c'est qu'une moitié du cadeau. C'est quoi l'autre moitié? Tu le sauras quand je l'aurai trouvé. Bienvenue dans État de fait, en compagnie de votre pourfendeur de mensonges préféré. Il lui va pas trop ce costume, j'aime pas trop. Quoi? Pete programme ses tenues pour se connecter à l'émission de Jameson? C'est mazo. Triste nouvelle, chef. Mon spectacle Razmot. De Noël a été annulé pour cause de bouffonnerie de justicier en costume. Il y a sûrement mieux à écouter. Ah, on m'en a dit du bien de celui-là. Bonjour, je suis Dani Carras. Vous écoutez le DaniCast. Je dresse le portrait des gens qui rendent notre ville meilleure. Le sujet du jour? On pourrait parler des trailers, des facs administratifs, de l'inventeur des vidéos sur Internet. Mais non, on va parler de cette incroyable raclée infligée à Rhino par The Spider-Man. Je m'abonne, le DaniCast, mon nouveau podcast préféré. Vu qu'on parle bien de Spider-Man. La flotte Lego. Je vais désactiver le podcast si je veux. Oh. Laissez, c'est sympathique. Vite, t'as prévu tout un tas d'appareils. Le speeder signal. Combat. Miles, tiens-toi prêt pour ton tout premier entraînement holographique. Il y a des défis dispersés un peu partout dans la ville. Chacun permet d'apprendre de nouvelles techniques. Ici, on se concentre sur l'improvisation acrobatique. Positionne-toi pour commencer. Un holo entraînement? Oh mais ouais, à fond. D'abord, le combat aérien. Pour prendre avantage, comme calcul à pompe les mises selon tes conditions. Maintenez pour faire une projection aérienne. Ok. On va mettre le coup de pied latéral. Les
hologrammes, c'est le futur. Ah oui, c'était stylé ça, je m'en rappelle. Je pourrais les rendre transportables. Ça te suffit pas? Les ennemis désarmés sont beaucoup moins nombreux. C'est hyper jouissif de les cogner avec leurs propres armes. Super plaisir! C'est pas ça qu'il fallait faire, mais. C'est hyper classe! Merci, Peter Parker! Maintenant, on va combien? J'ai trop envie de la prendre. Descendu, je crois. Électromarteau. Oh, ça commence à me plaire. Oh mince. Pas être simple les combats avec moi, hein, je vous le dis. Je suis un peu paumé au niveau des touches, ça rentrera. Hein, mais... Et c'est un bingo. Pour l'instant, je suis un petit peu paumé. Écran bleu de la mort. Plein de matériel high-tech qu'on peut revoir. Oh non, c'est ah. Spider-Man. Descendez. Ah, c'est des vrais ennemis. Alors, on veut prendre une raclée? Ouais. Ok, c'est parti. Prenez le matos, on va tout revendre. Précise un truc, c'est de la technologie Spider-Man officielle. Vous êtes pas autorisé à la revendre. Hein? Pourquoi y a encore eux? Ces types sont transparents. Pourquoi est-ce qu'ils sont transparents? Non! Je peux pas abandonner la mission! C'est juste qu'il part dans tous les sens! Là où lui? Fulgure au point! Descendez son cul de là! Erreur, système. Ils sont pas prêts de recommencer. J'ai plus qu'à rétablir la simulation. Tout va bien. Kernel en détresse. Je vais relancer le BIOS. Super. Ça a marché. On dirait que Pete a préparé des épreuves de furtivité, de voltige et de combat. Pas grand chose qui se passe sur ton écran là. Ok. Les activités, les petits trucs secondaires. Du coup, qui sont assez importants pour débloquer des nouveaux nouvelles compétences. Récompense, lancement rapide. Toile rapide. La
pas de loup. Ouais, récupération rapide, ça m'a l'air d'être des trucs quand même vachement importants, donc il faudra les farmer. Technique. Comment ça s'affiche quand t'as une nouvelle technique? Ok, on le sait pas trop. Et pas le petit point d'exclamation. Ok. Peau neuve. Eh, hey, tu devrais faire un tour par Roxanne Plaza avant de rentrer. Je viens juste de passer devant et je crois que quelqu'un est entré par effraction. Ouais, je vais aller voir. Bon, je veux tout savoir sur ton nouveau speeder pouvoir. Je crois que c'est une espèce de charge bioélectrique ou d'électricité statique ultra concentrée. Waouh. Ok, c'est bloqué. Pourquoi pas. Emplacement de mode ou de lentilles, j'ai l'impression. On va aller voir. Pas ça? Ah non, c'est le bouton du milieu. Ah oui, du coup, tenu. Mais j'ai pas débloqué de lentilles à proprement parler. Enfin, si, mais je ne peux pas les acheter parce que il faut des jetons d'activity. Par contre, j'ai level up. Du coup, je peux prendre des nouveaux trucs. Siphon énergétique. Attaquer et esquiver génère plus rapidement de la puissance bioélectrique en puissant ainsi la barre de bioélectrique. De bioélectricité, pardon. Saut bioélectrique, appuie sur L1X, paralyse les ennemis proches, les désarme et les projette en l'air. Plutôt pas mal. On a un arbre inconnu pour l'instant. Peut-être un nouveau pouvoir qui arrivera au bout d'un moment. Permet de stocker un deuxième coup de grâce. 1000 nombre de combos nécessaires, coup de grâce à 10. De grâce génère 40% d'une barre bioélectricité pardon. Mi paralysé subit 50% des dégâts plus en plus contre des attaques basiques. Ok. Y a pas énormément de de compétences au final. Ok, ça peut être fort ça. Ça peut être fort. On essaye de voir peut-être ce que peut donner une activité secondaire là. Record non classé, récompense, compétence, tissage continu. 50 coups ultimes, donc ça c'est si tu le fais en. Il y a un peu des modes de difficulté quoi. Tu fais 50 coups, t'as le truc ultime, mais du coup la récompense tu la débloques. Faut que je file, une toile. D'abord la plaza et après j'entre. Oublie pas. Il a débloqué à quel moment? Ça claque. Plus quand tu réussis à au moins faire le bronze, on va dire. Okay. Et où on était il y a 2 secondes en plus. On peut refaire une activité ici? J'imagine que c'est la même. Ok. Les objets, les armes de tes ennemis et même les ennemis eux-mêmes, hein. Chaque coup te rapporte un point. Approche du point de départ quand t'es prêt. Je tombe sur des affreux virtuels. J'ai la capacité de jeter les ennemis, moi. Trop lourd les ennemis. Attention.
a l'air un peu chaud le 50 quand même. Il y a pas assez d'ennemis à la fois quoi. Compétence débloquée, tissage continue. Actif, lorsque vous projetez un ennemi, appuyez rapidement sur triangle pour continuer à le faire tourner. Ok. Du coup, je sais pas comment projeter un ennemi. Ah, il faut qu'il soit entoilé. Ça peut être ça. Maintenant que tu maîtrises le lancer, essaie de donner encore plus d'ampleur à ton mouvement. En plus, tu feras de la place autour de toi. On se voit dans le prochain défi. Oh, plus d'ampleur à mon mouvement. Bonne idée. Ok, tu cours un truc. Ah oui, bah oui. Ça, c'est trop bien. Hein. Genre que sur la carte, tu regardes ton défi et que tu vois genre ce que t'as fait comme score. Comme ça, si tu veux aller les perfectionner après. Vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Ok. On va aller voir celui-là, peut-être. Salut les amis. Merci. Après, j'arrêterai peut-être de vous embêter. Ou alors, on en fera peut-être de temps en temps. Sixième à la 87e place. On passe à côté. Wow. Trop bien. Bref. Aujourd'hui, je vous parle depuis la longue file d'attente. Ça a l'air pas mal pour améliorer un peu son personnage. Et je vais répondre à vos questions. Avoir un peu une meilleure... À meilleure fluidité peut-être avec le personnage. Un petit peu plus fort. Deuxième question. Meilleur feeling. Un micro violet. Salut Mike. Ce défi va te permettre de t'entraîner au lancement. Passe tous les points de contrôle avant la fin du temps. Ok. Ça risque d'être chaud parce que. Je suis pas très bon. Motivé. C'est parti. Utilisez le lancement pour traverser ce chemin. Du coup, c'est quoi qu'il appelle le lancement ? Ah ? Voilà. Ah, ok. Ouais, je suis pas très bon. Hein. Un truc qui se perfectionne. Hein. Ça fatigue. Continue, c'est presque. Oups. Oula. Ah, en fait, il suffit juste de se balancer dedans. Final. Pour que ça fonctionne. Dans du boulot incroyable, Mike. Il va falloir que je me mette à niveau. Je leur essaye quand même. Je me respecte un petit peu, quoi. Ah, quoi? Mais ça a commencé là? Mais. Je peux rien faire en fait. Je sais pas pourquoi. Il voulait absolument que j'ouvre le truc des tenues. Yeah, ok, utilisez les ressources que vous avez récoltées pour créer un nouveau mode. Ok. Résistance aux dégâts de mêlée 25%. Ah oui, c'est pas fort. C'est pas fort. C'est pas mal, pardon, justement. C'est très fort. Tenue à la mode. Excellent, ça. Vous venez de débloquer un nouveau mode, revenez plus tard pour en débloquer d'autres ou pour équiper un autre mode. Ok. Ok, les attaques après une esquive parfaite inflige 50% de dégâts supplémentaires. Ok. Cool. Appuie sur X à la fin d'un glissement vers un pont pour effectuer un lancement plus puissant. Ouais, c'est pas mal ça. Mais ouais, je l'aurais bien retenté. Du coup, là, l'activité a déjà commencé. Recommencer le défi. Ok. Ok, c'est pas le meilleur lancement comme ça. Clairement pas. Je commence très très mal. Je vais le recommencer. En fait, au début, ils disent qu'il faut faire X, mais en fait, pas le mieux. Hein. Ah yes. Donc, j'étais un petit peu trop bien et du coup, j'étais un petit peu trop loin.
flottin ailé. Ça a l'air assez cool dit comme ça. Ah ouais. Ouais, il est tellement plus puissant. Je commence à fatiguer. Ouais, ouais, il est insane. Quand tu le foires pas, il est insane. Continue, j'ai presque. Oh, c'est dommage de foirer la fin comme ça. Ouais, c'est les trucs qui se perfectionnent. Hein. Vraiment pas bon pour l'instant ça, mais bon. Ah, on n'est pas venu ici pour tryhard ça. Juste débloquer les compétences, c'est déjà très très bien. Et du coup, pour avoir le truc amélioré, c'est que en... C'est que sur un rebord. Que sur un rebord. Hein. Je fais ça. Bah même pas. Pourquoi je l'ai pas là? Bizarre. Il se débloquait pendant... Enfin, il... Ça le faisait pendant la course, mais là, ça le fait plus. Ah là ça l'a fait. Ils ont essayé. Il y a peut-être un timing. C'est ça. Les mêmes qui ont organisé l'évasion de Rhino et qui l'ont envoyé dans mon studio au beau milieu de l'enregistrement de mon émission de Noël. Pensez aux enfants et à moi, parce que personne n'aura jamais d'air J. Jonah Jameson. C'est pourquoi, fidèle à ma mission de présenter état de fait jour après jour, j'ai décidé de me boucher le nez et d'émettre de coups. Bonjour, je suis Simon Krieger. Et cette chose à côté de vous est un réacteur Anuform. Une fois activé, ce réacteur fournira suffisamment d'énergie pour alimenter tout Harlem. J'entends d'ici vos questions. Simon, comment est-ce possible? Ma réponse, c'est le Nuform. Une seule bonbonne de cette invention révolutionnaire suffit pour fournir Harlem en énergie propre et sans danger pour les 5 prochains siècles. Bientôt, nous installerons des réacteurs à travers Manhattan et ensuite dans le monde entier. Tenez-vous prêt pour une planète qui carbure au Nuform. Roxxon, nous sommes là pour vous. C'était quoi? Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. What is this? Il cherchait peut-être quelque chose. Tiens, 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 encore une technologie d'un scientifique qui est volée pour être utilisée à mauvais escient. Ils ont fait une recherche nulle. Qu'est-ce qu'ils comptaient faire à lui? Pas l'air très sympa ces ennemis. What? Pourquoi il a pas fait? Et la bioélectricité. What? Ouais, Gantry a raison. Bioélectricité, c'est bien. Bon. Et oh, ça remet pas. Dernière
Regarde, en fait, c'est soit, j'avais pas vu, mais c'est soit je me redonne de la santé, soit j'utilise ma bio. Electricity. Il y a du monde. Bah dis donc, c'est stylé mais c'est compliqué hein. Il reste des gens. Bonjour. On parlait de cargaison de Nuforme. Il faut que je découvre ce qu'ils ont trouvé pour. On avait du monde hein. Ils suivaient des cargaisons de Nuforme. Mais pourquoi ? Les gardes de Roxxon, ils s'occuperont du reste. Je m'occuperai de ça plus tard. Ok, nice. Nice, nice, nice. Il faut que je rentre. Je suis vraiment impatient d'être au dîner du réveillon. Bonne compétence. Je me renseignerai sur ce groupe. Double la durée de la paralysie des ennemis. Putain, c'est vrai que j'ai même pas utilisé ça là. Et ça non plus d'ailleurs. Alors qu'ils étaient pas mal groupés les ennemis, j'y pense pas. Ok, esquiver génère plus rapidement, ça on va prendre. Hein. Et on en a trop besoin. On en a beaucoup trop besoin. Ok. Les cargaisons de Nuforme demain. Ok, je pense que je vais arrêter la VOD ici. Des bisous sur YouTube et on se retrouve au prochain épisode. Ciao ciao.